Namasté Yogi, bienvenue à votre pratique. Aujourd'hui, on va faire une séance de Hatha Flow sur le thème d'immunité, de la défense immunitaire. Donc, on va attaquer ça de trois manières. La première, c'est anti-stress. Tout le monde sait que si on peut vaincre le stress, on peut vivre plus sainement. Le corps a plus une capacité de se défendre quand on n'a pas des hormones liées à la réponse de survie, de stress. Deuxièmement, on va avoir des postures qui vont ouvrir l'organisme, surtout les poumons et les organes. Donc, ouverture de cœur, mais vraiment un travail en ouverture dans les side body ou les flancs pour cet effet. Et le troisième, c'est de faire bouger le lymphe. Donc, si vous avez survécu un cancer, si vous avez déjà vécu quelqu'un ne touché par le cancer vous-même, vous savez que les lymphes, on dit des ganglions, en français, lymphocytes en anglais, se trouvent dans les aisselles, dans le cou. Et à l'intérieur des hanches, donc vous allez trouver aussi dans cette séquence un peu de stimulation dans les petites parties du corps qui peut stimuler les lymphes. Mais aussi la respiration des diaphragmes va faire bouger des bonnes cellules qui attaquent les virus et bactéries. Donc, partons à la défense de notre organisme. Pour la séance, vous auriez besoin idéalement, une grande couverture. Moi, j'ai une couverture un peu à l'ancienne en laine, un peu de poids. Il est assez dense qu'on peut le plier mille manières pour nous assister dans des postures différentes. Peut-être un coussin de canapé si vous n'avez pas une bolster, un peu comme ça. Et peut-être des briques à la sangle, comme d'habitude. N'oubliez pas la couette à la fin. Pour Shavasana. Donc, on va commencer allongé sur le tapis, passer par le côté droit de votre corps. Déjà, trop bien. Vous allez vous allonger sur le dos, amener les talons vers les fessiers et puis écarter les talons jusqu'à ce que vous trouviez un bon angle pour que les genoux puissent se caler. On va positionner la tête parfaitement droit. Les orteils vont être un peu tournés vers l'intérieur aussi pour créer cette petite traction dans les pieds. Ça devrait être sans effort, les genoux calés entre ensemble. Inspirez, on va juste lever le bassin et on va plaquer le bas du dos correctement sur le sol. Et on va écarter les bras, retourner les mains. Prenez une grande inspiration par le nez, si c'est possible, sinon par la bouche. Sentez l'expansion de cage thoracique. Expirez comme peu de bruit. Inspirez par le nez. Cette fois-ci, remarquez l'expansion entre les omoplates, les épaules. Et puis expirez. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et relâchez la gorge, la langue, les lèvres et les mâchoires. Autorisez-vous à arriver dans votre corps ici, maintenant. Remarquez quelles sont des pensées qui vous attirent ailleurs. Ne repoussez rien, juste remarquez.
Remarquez l'ancrage de la tête, des deux bras, les pieds, le bas du dos, le haut du dos. Et juste remarquez comment on est en sécurité ici, maintenant, soutenu par la terre. Et laissez venir un sentiment d'être rassuré, apaisé, soulagé de toutes ces angoisses, tous ces soucis. Et on va amener les mains vers le nombril. Posez les mains autour. Si vous avez besoin de caler les coudes avec un coussin, n'hésitez pas. Posez les mains sans effort et sentez le diaphragme, qui monte et qui baisse. On va prendre une inspiration, on va gonfler le ventre 30% et on va s'arrêter, petite pause. Et puis on va inspirer encore 30%, on s'arrête et puis on va inspirer entièrement dans le ventre et expirer. Inspirez un tir, on s'arrête, encore un tir, on s'arrête, et puis inspirez entièrement dans le ventre se gonfle en dessous les mains, expirez, et on va continuer comme ça, inspirez encore, et inspirez. Et expirez. La dernière fois, vous sentez le ventre gonfler. On s'arrête. Gonflez encore plus. On s'arrête. Et gonflez entièrement. Et expirez. Avalez, respirez normalement. Et remarquez les petits changements dans le corps hein. Depuis que vous êtes installé ici. Expirez, creusez le ventre, les mains descendent. Et puis on va inspirer dans un seul coup, inspirez, les mains se lèvent. Et puis on va expirer un tir, on s'arrête. Expirer un tir, on s'arrête. Et puis expirer entièrement. Et encore inspirer, gonfler le ventre. Expirer un peu. Expirer encore un peu. Et expirer entièrement. Encore deux fois comme ça. Et la dernière fois. Et puis libérez le souffle, expirez jusqu'au bout. L'inspiration, on va engager la glotte, et on va ouvrir les yeux, et on va tirer les bras au-dessus de la tête, on va séparer les genoux, positionner les pieds parallèles, et on va rendre le bas du dos, rentrer le coccyx, décoller les hanches, et puis vertèbre par vertèbre, en deux cols.
Expire, passe les mains sur les côtés, les bras sur les côtés. Attrapez le bord du tapis. Placez les épaules sous la bouste et pousse dans les jambes vers la tête. Rentrez les épaules sous la bouste. Vous pouvez même imaginer l'espace que vous créez dans les poumons comme ça. Expirez. Relâchez les bords du tapis et puis laissez-vous descendre vertèbre par vertèbre en pleine conscience de chaque millimètre de votre colonne vertébrale. Expirez, relâchez ça. On va passer les bras sur les côtés en inspiration. Et puis on va bouger les genoux un peu à droite à gauche. Deux genoux vers le côté gauche, les pieds restent en place, mais on va décoller l'extérieur et l'intérieur du pied. Et puis un peu plus amplitude dans le mouvement jusqu'à ce que le genou touche le sol d'un côté et l'autre. On va exagérer ça, on va aller passer les deux genoux sur le côté droit. Et poussez, appuyez, engagez le genou gauche sur le sol. Passez les genoux sur le côté gauche. C'est le genou droit que vous devez engager un peu. Et on continue comme ça. Restez avec les dos de main et les épaules bien plaquées au sol, bien ancrées au sol. Et puis en inspiration, on va amener les genoux vers la poitrine. On va caler les plantes de pieds et les mains. On va attraper les extérieurs du pied, mais les plantes de pieds ensemble. Les bras à l'intérieur des cuisses. Et on va juste percer sur le bas du dos. Quelquefois, ici. Jusqu'on va percer vers le côté gauche. Et puis on va se mettre sur le côté droit. Et on va tendre le bras droit derrière la tête. Et on va se relever. On va se mettre à Vajrasana. Donc, vous êtes sur les tibias. Alors, vous avez votre couverture. Vous pouvez, n'hésitez pas de mettre la couverture sous les genoux si c'est nécessaire. Sinon, on va s'installer en toute stabilité sur les hanches, les genoux, les hanches sur les talons. Et on va déposer les mains sur les cuisses. Expirez ici. En inspiration, on va lever la main droite et on va le regarder. Et on va tirer l'aisselle droite vers le haut. On va regarder, lever les mains tendues. Expirez, on va descendre maintenant parallèle au sol et on va envoyer le coude droit en arrière, la main, la paume face au sol. Et on va regarder gauche. Donc serrer le coude en arrière et tourner la tête gauche. Et puis expirez, tendez le bras en arrière. Ouvrez la paume de main vers le ciel. Et puis, regardez votre aisselle gauche avec la bouche relâchée. Et puis, expirez, amenez le front vers le cœur, la main droite sur la cuisse droite. Inspirez, vous lavez la tête. Expirez ici. En inspiration, la main gauche vers le ciel. Lavez le regard et tirez le ciel, aisselle. Tirez le ciel si c'est possible. Regardez vers le haut. En expiration, placez les paumes au niveau de l'épaule, le coude en arrière. Et le menton est parallèle. On va tourner la tête vers le côté droit. Et on va passer avec activation le coude gauche en arrière. Activation, tourner la tête vers le côté droit. Et expirez, tendez les bras, ouvrez la paume vers le ciel et regardez votre aisselle droite, la bouche relâchée.
Expirez. La main gauche sur la cuisse. La tête penchée en avant. Et on va redresser la tête. On va rentrer des pouces dans les aisselles. Donc, on va penser à lymphe ici. Et on va faire des petits cercles vers l'avant avec les coudes. Mais on va passer ces centres de liquide lymphatique. Expire. Inspire. On passe les coudes vers l'avant et on va changer de sens. Encore deux. Et expire les mains sur les cuisses. Inspiration des mains ensemble en prière. Frottez les mains. Créez un peu de chaleur ici. Continuez jusqu'à ce que vous sentez les petites étincelles d'énergie. Et puis, placez ça sur les côtés de votre cou, en dessous le mâchoire, et laissez la chaleur envahir. Encore des ganglions lymphatiques dans le cou. On va laver le coude et on va amener une petite pression dans le cou. Ici, appuyez sur les lymphes, les liquides qui forment la défense immunitaire. Et puis expirez ça sur les genoux. En inspiration, vous allez déplacer les hanches sur le côté droit. Et avec une brique, on la main, on va passer la main derrière la hanche droite sur une brique ou sur le sol au bout des doigts. Et en inspiration, on va se relever sur les genoux et on va envoyer la main gauche en arrière. On va tirer, regarder la main. Et puis on va passer le coude sur le côté, respirer. Et expirer, expirer. On va faire la même chose sur le côté gauche, passer les hanches sur le côté gauche des tibias. La main gauche derrière et en inspiration, décoller les hanches. Tirez la main, le bras droit au-dessus de la tête et puis passez le coude en arrière. On va activer un petit peu les fessiers ici, un petit peu les cuisses, mais surtout respirez l'espace dans le torse. Inspirez, tirez le bras au-dessus de la tête et expirez. On revient. On va remettre les hanches sur les coudes ici. Et on va tirer les bras en balasana classique, les jambes ensemble. Devant les bras, sont activés le front sur le sol. Rentrez le menton. Engagez les bouts des doigts et tirez les flancs. Les aisselles. Expiration, on va passer les deux mains sur le côté gauche de votre tapis et on va avancer au bout des doigts, on va tirer, tirer, tirer le haut du corps et on va envoyer la hanche droite en arrière, on lâche la tête. Inspirez Ujjayi si ça vous convient. Surtout la main droite. Bien activé ici. En inspiration, on va revenir au milieu, poser des mains, tirer des bouts des doigts, expirer, lâcher la tête. Prochaine expiration, les deux mains sur le côté droit, tirer, tirer, tirer la main gauche, envoyer la hanche gauche en arrière, lâcher la tête. Vous pouvez faire venir une image de vos poumons, vos côtes. Et un bruit d'espace dans cet endroit. Expirez ici. Inspiration, on va revenir vers l'avant. Et cette fois-ci, on va poser des coudes. On va poser une main sur l'autre. Et on dépose le front. Ce
l'organe et le haut du corps. Et scanner le bas du corps. Inspiration du corps, le front. On va venir à quatre pattes. Écarter les genoux aux largeurs du bassin. Ancrer bien les doigts. On va retourner les orteils. Et on ne va pas perdre du temps. On va aller directement chien tête en bas. Décoller les genoux, pousser en arrière avec le haut du corps. Et déplier les jambes. Les jambes, le mieux que vous pouvez, s'incorber le dos. Et pédaler les jambes, placer du poids sur une jambe et puis l'autre. Bon ancrage dans chaque doigt, dans chaque orteil. Creusez le nombril ici. On va rester immobile, une respiration. C'est pas grave si les jambes sont pliées, les talons décollés, tant que le dos est en plein étirement, parfaitement étiré vers le haut et en arrière. En inspiration, on va regarder les mains, on va marcher les pieds vers les mains. On va lever la buste, les mains sur les cuisses. Envoyez les hanches en arrière, pliez les jambes. Et en expiration, on va relâcher tout ça. Retournez les mains, les jambes pliées. Relâchez toutes les vertèbres. Les mains vont trouver les coudes, la tête relâchée. Et on va bercer vers le côté gauche, pliez la jambe gauche. Et puis vers le côté droit, pliez les jambes droites. Quelques fois comme ça, bercer, s'ancrer la tension dans le cou, le visage, bercer le haut du corps, extérieur des jambes droites, pied des jambes droites, extérieur des jambes gauche, pied des jambes gauche, comme un balançoire. Et puis en inspiration, on va commencer à enrouler le coccyx, et puis vertèbre par vertèbre, on va se relever. Les mains restent en place sur les coudes et on va passer les bras derrière la tête. On va ouvrir le cœur, lever le menton, caler le nombril ici, les orteils ancrés. Et puis on va tirer le cœur vers le côté gauche et on va passer les coudes vers le côté gauche. Et puis on revient au milieu. La main droite tire le coude gauche sur le côté droit. Et puis on tourne vers le côté droit, et puis vers le ciel, une petite rotation de thoracique, mais avec les mains sur les coudes. On envoie les mains et les bras avec. Ouvrez au milieu, une petite rotation encore. Et on va commencer d'aller un peu plus loin. Donc on va ouvrir, et puis on va plier les jambes, et on va plier le corps. On amène la buste, la tête vers les jambes. On envoie le coude gauche à monter avec le sol et vers le haut. Et encore deux fois comme ça. Et explorer les possibilités d'ouvrir le haut du dos, les flancs. Et une dernière fois. Expire. Et on va arrêter au milieu, en bas. Expire ici. Inspirez, roulez vertèbre par vertèbre. Et puis passe les bras derrière. Et on va commencer de l'autre sens. Tirez le coude gauche vers le côté droit. Et puis au milieu. Et puis vers le côté gauche. Et puis au milieu. Donc, c'est un exercice qui travaille la circulation de lymphe, de liquide lymphatique dans le corps. Encore une fois comme ça, et puis on donne de l'amplitude
Pliez les jambes et amenez la buste vers les genoux. Faites tout le tour. Grosse rotation, encore deux fois. Vers le côté droit en premier. Passez par le côté gauche. Et en inspiration, dépliez les bras, tirez les mains et le regard vers le ciel. Et expirez, lâchez les mains en samastitihi. Expire. Vérifiez que vous êtes sur le côté devant de votre tapis, le devant, et que vos pieds sont placés parallèles, l'intérieur du pied parallèle, les épaules en arrière. Inspirez, levez les mains ensemble devant le cœur. Expirez, on va plier le dos droit, le front vers les tibias. Inspirez, levez la buste et en expiration, le pied droit derrière, posez le genou. Et en inspiration, tirez les bras vers l'avant et vers le haut en Anjayasana. Ancre les orteils du pied gauche. Expirez les mains sur le sol. Retournez le pied droit, décollez les genoux et rejoignez les deux jambes. Descendez les genoux. Descendez le cœur, les mains tendues sur le sol. Et puis avec les orteils, on va décoller les genoux et on va glisser les pieds, les jambes en arrière. Pointez les pieds, ancrez, engagez les jambes. Inspiration avec le pouvoir des muscles haut de dos, on décolle le cœur. Et en expiration, on pousse en arrière, retourne les pieds et décollez les genoux. Trouvez chien tête en bas, expirez ici. En inspiration, regardez vers l'avant et amenez le pied droit. À l'intérieur de main droite, de poser le genou gauche, regardez vers l'avant et tirez les deux aisselles vers le haut. Expiration, les mains descendent, retournez le pied gauche et décollez le genou, rejoignez les deux jambes ensemble, expirez, front vers les tibias. Ancrez les orteils, en inspiration, le dos droit, on se relève, les mains s'étirent vers le ciel devant le cœur. Expirez, pliez le dos droit, front vers les tibias, expirez ici. Inspiration, regardez vers l'avant. Et en expiration, le pied gauche descend, genou, haut de pied. Et on va se relever en Anjayasana, 90 degrés de genou droit. Expirez les mains sur le tapis, retourne le pied gauche, décolle le genou, rejoigne les deux pieds ensemble en planche. Placez des genoux, placez la buste, les coudes serrent, le menton touche, et puis libérez les genoux, ancrez les pieds, et on se relève en cobra. Expirez, poussez en arrière vers les genoux, sur les genoux, et trouvez chien tête en bas, expirez ici. En inspiration, regardez vous-même. Amenez le pied gauche, déposez le genou droit, retournez le pied. Et en inspiration, on se relève, on devrait avoir un petit peu de chaleur. Expirez les mains sur le tapis, retournez le pied droit, décollez le genou. Amenez les deux pieds ensemble, front vers les tibias. Ancrez les orteils, inspiration, on se relève. Expirez, on plie encore, front vers les tibias. Et ici, on va passer le pied droit derrière. Posez le genou, le haut du pied. Et en inspiration, tirez les bras vers l'avant et vers le haut. Restez ici. Expirez, descendez des deux bras. Vous pouvez rattraper les coudes. Ou vous pouvez rejoindre les deux pouces au niveau du sacrum. Tirez les coudes ensemble. Et puis tendez les deux bras. Si c'est compliqué, vous pouvez aussi avoir une sangle dans chaque main. Inspire, lève le cœur, lève le menton. Le poignet
Les poignets glissent sur la cuisse droite. Et en expiration, on va amener le pôle gauche à l'intérieur de cuisse gauche et on lâche la tête. Alors, c'est pas grave si on est un peu plus haut. On n'a pas besoin de toucher la cuisse gauche, mais c'est idéal. On lâche la tête vers le sol. La jambe gauche stabilise avec les orteils. Essaye de relever le poignet plus haut vers le ciel. Expirez ici. En inspiration, relevez-vous la buste. Et expirez, lâchez les bras. On va pivoter le tibia droit. Peut être perpendiculaire, donc vers la direction droite. Et on va avancer le pied gauche pour être aligné avec le genou. Et en inspiration, on va créer comme une guerrière ici. On va placer du poids dans le pied gauche, un peu comme Anjasana. Et en expiration, on va placer le coude gauche sur l'intérieur de cuisse au genou. Et on va ouvrir le cage thoracique. Regardez la main droite. Et on va placer la main droite derrière le dos. Soit on va trouver la cuisse gauche avec la main. Ou on va juste poser la main sur le bas du dos. On va avoir une activation entre le bras gauche et la cuisse gauche. On pousse le genou pour ouvrir la cuisse. Pensez ces petits centres de liquide lymphatique à l'intérieur de cuisse. Expirez ici. En inspiration, tirez les deux bras parallèles au sol. Tournez le pied gauche, l'extérieur du pied ancré, aligné avec le genou droit. Et en expiration, on va ancrer la main droite sur le sol. Et on va tirer le bras gauche au-dessus de la tête. Petit orteil dans le pied gauche, bien ancré. Longue ligne d'énergie entre les bouts des doigts et ce petit orteil. Expirez. Et en inspiration, on va se relever les deux bras parallèles au sol. Pivoter vers l'avant. Placez le tibia dans sa place, le genou gauche 90 degrés. Retournez le pied droit. Et on va se relever avec les bras. Inspire ici. Ma jambe gauche, 90 degrés idéalement. Et en expiration, on va tendre les deux jambes et paralléler les pieds. Donc, les extérieurs du pied parallèles. Inspirez, ouvrez le cage thoracique. Et en même manière qu'avant, les deux poussent sur le sacrum. Retirez les coudes et tendez les bras. Alors, les variations peuvent être avec une sangle ou les coudes. Inspirez, ouvrez le cœur, lavez les mains. Et en expiration, la tête descend, le dos parfaitement droit. Placez le plus que vous pouvez le poids de votre corps dans les orteils. Regarde vers le nez ici. Prasarita Paratanasana. Expirez. En inspiration, on va se relever doucement avec le dos droit. Doucement, 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 doucement. Et expirez, relâchez ça. Tournez les pieds gauche vers l'avant. Et on va juste faire un gros pas vers l'avant ici. Les pieds parallèles en Samastitihi. Inspirez les mains vers l'avant. Expirez, pliez. Inspirez, redresse la buste et passe le pied gauche en arrière. Posez le genou au haut du pied. En inspiration, tirez les bras vers l'avant et vers le haut. Et en expiration, rejoignez les mains derrière. Oh, cherchez la sangle. Oh, les coudes. Tendez les deux bras. Levez le cœur.
préparez le pied droit. Ancrez bien les orteils. Et en expiration, guerrier humble. Lâchez la tête vers le sol. Essayez d'amener le torse à l'intérieur de la cuisse droite. Une inspiration, ancrage de pied droit. On se relève, inspire. Et on va libérer les mains. Pivoter le tibia gauche vers le côté droit. Aligner le pied droit avec le genou. Ici, une inspiration, tirer les bras, expirer. La main gauche sous l'épaule et tirez la main droite au-dessus de la tête. Créez cet espace pour les poumons. Bon ancrage de petit orteil de pied droit. Et énergie qui circule jusqu'au bout des doigts. Expirez ici. Et en inspiration, se relève. On va pivoter vers le côté droit. Plier la jambe droite. Retourner le pied gauche. Et en inspiration, décoller les genoux, les mains vers le haut. Cuisse droite parallèle au sol. Expirez, tendez les deux jambes et parallèle les pieds. Inspiration, ouvrez le cage thoracique, tournez les mains en arrière. Les pouces sur le sacrum, inspire, ouvrez. Expire, pliez vers l'avant, proie dans les orteils. Aucune tension sur le visage, dans le cou, la nuque. Laissez ça. Encore une respiration ici. Expirez. Inspiration, relevez la buste, regardez devant. Expirez, on va libérer les mains. Et on va amener les pieds ensemble ici. Vous pouvez chercher votre couverture si vous êtes sensible pour les genoux. On va descendre les hanches sur le talon, mais on va avoir le talon décollé. Creusez le ventre ici, on va balancer. Balancer, ça c'est anglais. On va trouver notre équilibre sur les pieds. Équilibrer sur les pointes des pieds, inspirez dans les équilibres. Le dos droit. Et en expiration, on va descendre les genoux sur votre support. Au sort du tapis. Écarte les genoux, les talons, presque ensemble, les pieds touchent ensemble. Et on va rejoindre les mains, retourner les paumes. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Levez le regard. Et puis rentrez les mains vers la, vers le cou. Donc vous tirez le menton vers le cou. Créez l'espace derrière dans la nuque. Respirez encore deux. Quatre. Et le dernier fois. Expirez, écartez. Passez les mains sur les cuisses. Puis, si vous êtes à l'aise ici, fermez les yeux un instant. Sinon, on va placer le poids vers l'avant. Et on va retourner, placer les hauts du pied sur le sol. On va faire Supta Virasana. C'est la posture de héros incliné. Donc, il va falloir quelques petits équipements. Donc, je vous ai déjà parlé de coussins de canapé, briques.
Donc, surtout si vous êtes sensible de genoux, vous posez un support sous les genoux. On va rejoindre les genoux et on va séparer les mollets. Les tibias vont avoir un angle vers l'extérieur et on va s'asseoir les hanches entre les talons. Alors, essayez si c'est un peu compliqué avec un support sous les fessiers. Donc, on va rester comme ça, quelques respirations. Si vraiment vous êtes sensible de genoux, je vous invite de fermer les deux jambes et juste de faire Baddha Konasana. Donc, essayez d'abord Virasana. Et puis, pour Supta, incliné, on va s'allonger sur un coussin en arrière. Donc, d'abord, on va commencer. Essayez de faire une rotation interne des fémurs. Donc, les genoux vont vers l'intérieur. Les mollets, si c'est un peu que vous êtes copieux au niveau de mollets comme moi, vous pouvez retourner les mollets avec les mains. Et surtout les hauts de pied aussi, avec une petite protection. On va poser les mains sur les cuisses, les épaules en arrière. Et on va juste fermer les yeux. Trois respirations, juste virasana comme ça. Et toi. Maintenant, on va chercher votre coussin de canapé. Sachant si vous avez relevé le bassin, il va falloir peut-être plus de hauteur sous le coussin, ou les coussins même. Donc, pour moi, je vais rajouter ma couverture que je vais plier et je vais placer ça. Il va falloir peut-être mettre en pause la vidéo et jouer avec la posture. Mais idéalement, vous allez trouver le coussin et vous allez avoir le cœur qui ouvre, les cuisses qui s'ouvrent aussi, cette rotation interne des cuisses. Et on va juste lâcher les bras vers l'extérieur. N'hésitez pas d'essayer plusieurs variations. Chaque corps est différent. Une fois bien installé, on va rester 5 respirations ici. Vous pouvez faire venir cette image d'espace qui se crée dans les poumons. Cette liquide lymphatique qui circule. Trouvez votre souffle un peu plus profond, prononcé avec la glotte. En inspiration, amenez les coudes vers le corps, les mains peut-être vont toucher les plantes de pied ou le sol. On va rentrer le menton et on va se relever. Placez les mains sur les cuisses. Et en expiration, on va placer les hanches d'un côté de tibia. Vous pouvez enlever la couverture, tout ce que vous avez mis comme support. Alors, vous auriez besoin plutôt de couverture en laine, une couverture qui est plutôt épaisse, épaisse comme ça. Il faut que la couverture soit pliée plat et que c'est au moins la largeur de vos épaules. Donc, vous voyez que j'ai quelques bonnes petites centimètres, bon, peut-être 3 centimètres quand je le plie comme ça. Ensuite, on va se positionner les épaules au bord de couverture et la nuque va être libre de couverture et la tête sur le sol.
Et c'est ici qu'on va faire notre variation de chandelle, qui est très bon aussi pour le système immunitaire. On va monter les pieds. Et en inspiration, on va lever les hanches. Et on va avoir beaucoup de liberté pour le cou, en fait. C'est une variation un peu plus douce. Positionnez les mains sur le bas du dos. Et pointez les pieds. Regardez vers les pieds. Vous pouvez faire 5 ouvertures aussi, si vous préférez. Chanda, c'est très bien, mais ce qui nous intéresse même plus, c'est la suite. Halasana. On va expirer, on va descendre les jambes tendues au-dessus de la tête. Ici, vous pouvez placer comme une chaise ou un coussin. Et on va rejoindre les mains derrière. Ou on peut prendre le tapis, ou la sangle encore, et sans bouger pour regarder l'écran. Regardez vers votre nombril. On va rester 5 respirations ici. Gardez les jambes activées. Laissez allonger le colon vertébral vers le ciel. En appuyant dans les épaules. Expiration. Relâchez les bras. Relâchez les jambes. Et on va s'allonger le corps sur le sol. Tendez les jambes. Relâchez les bras un instant. Vous savez sentir une ocean de sensations suite à Sarvasankhasana, la chandelle. Inspirez. On va se retourner sur un côté, enlever la couverture. Regardez ça pas trop loin finalement, parce que pour Shavasana. On s'allonge sur le dos. Ici, on va rejoindre les jambes ensemble. On va avoir des plantes de pieds sur le sol. Et on va décoller le bassin. On va déplacer le bassin sur le côté droit. On décolle les plantes de pieds. Et passe les deux jambes sur le côté gauche. Ouvrez le cage thoracique. Les deux épaules sur le sol. Et si ce n'est pas le cas, calez l'épaule qui décolle. Donc, si l'épaule droite décolle, mets un coussin sur l'épaule droite. Et fermez les yeux. Vous pouvez aussi mettre quelque chose entre les deux genoux si c'est trop intense. Expirez ici. En inspiration, revient les pieds sur le sol au milieu et on va déplacer le bassin sur le côté gauche. Décolle les plantes de pieds, amenez les genoux vers la taille et expirez les deux jambes vers le côté droit. Restez comme ça. Ancrage dans l'épaule gauche. En inspiration. Expirez. Et inspirez les genoux vers la poitrine, vers le cœur. Appuyez les mains dans les genoux et créez votre Ananda Balasana, les mains sur les plantes de pieds. Percez à droite, à gauche. Sí,
apprendre à sourire. Avec. Faites tous les petits mouvements que votre corps a envie de faire. Imaginez d'allonger en gré le bas du dos. Et puis expirez, relâchez les jambes. Alors, si vous le souhaitez, votre support que vous avez pour le dos, vous pouvez placer sous des genoux. Mais surtout, n'hésitez pas, mais j'ai une autre couverture. Hein. Couvrez-vous pour Shavasana. Pleine conscience de comment vous déposez votre corps. Conscience de chaque petit dernier mouvement. Où vous placez les mains, où vous placez les pieds, la tête. Et vous pouvez rester avec moi quelques minutes. Parcourez le corps. Vous pouvez passer à la vidéo méditation guidée pour Shavasana. Je vais juste terminer avec moi ici. Laissez venir une image de votre corps depuis l'espace. Sa situation sur la Terre. Et au fur et à mesure, approchez plus près de votre corps depuis là-haut. Jusque vous voyez la couleur du sol. Les meubles qui vous entourent, les autres personnes. Prenez une inspiration et bougez la tête à droite à gauche. Expirez mobile. Inspirez, bougez les doigts, les orteils tirés du corps. En laissant son pesant. Et puis doucement, trouvez votre petit chemin, la fœtus. Et dites merci. Merci pour cette pratique à vous-même. Et on se relève. Les mains devant le cœur. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.